Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis le frère Hugues. Dans cette première leçon, nous avons tenté de travailler un chant de croix seulement, le recueil On Lit the Livre, le recueil des chants prophétiques. Nous avons tenté de travailler le chant numéro 1 au piano. On va tenter de travailler avec vous ce chant parce que vous savez, c'est un chant que le prophète dit et qui amenait l'ange en scène, et vous savez que pour un pianiste, c'est toujours bien de savoir l'interpréter au piano. Donc nous allons là, vous avez là devant vous des accords qui permettent de jouer de façon vraiment harmonique et harmonieuse ce chant. Donc je vais tenter d'abord de chanter le refrain pour donner l'air du chant, afin que vous puissiez avoir un peu l'air, comment il se chante et comment il se joue. Donc il se joue en gamme de Do, c'est la note indiquée dans le recueil, gamme de Do. Crin point petit troupeau, de la croix au trône, de la mort à la vie, ils cherchaient les siens. Tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel, lui est donné pour son troupeau bien-aimé. Voilà, ça c'est le refrain. Donc comment l'interpréter au piano? On le joue dans la gamme de Do. Voilà, vous avez Do, la gamme de Do c'est Do, Mi, Sol. On a Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Crin-point, petit troupeau. Je précise que ce chant se joue dans la mesure 3 sur 4. Donc c'est un chant à 3 temps, 3 sur 4. Crin-point, petit troupeau. De vous avez là un Do, mi, do septième. Do septième c'est Do, Mi, Sol, La dièse. La dièse ou Si bémol. De la croix au trône, de la mort. On a un Fa. Fa c'est Fa, La, Do. De la mort à la vie. De la mort. Do diminué, voilà. Do diminué, c'est Do, Ré dièse ou Mi bémol, Fa dièse ou Sol bémol, La. Vous avez là un La mineur. La mineur, c'est La, Do, Mi. Qui cherche. Ré majeur, Ré, Ré majeur, Ré c'est Ré, Sol bémol ou Fa dièse, La. Il cherche, cherche. Voilà, c'est un Ré septième. Ré septième c'est Do, Ré, Sol bémol ou Fa dièse, La. Ou encore, vous pouvez le plaquer d'une autre manière, comme ceci. Il cherche. Voilà. Ré septième. Ré, c'est Sol. Tu pourras. Sol septième. Voilà. On a Fa, Sol, Si, Ré. Ou encore, vous pouvez le plaquer comme ça. Voilà. Sol. Si, Ré, Fa. Tout pouvoir sur Do. C'est un Do renversé. On a Sol, Do, Mi. Tout pouvoir. Do septième. Do septième. Sur le Si bémol. Tout pouvoir au ciel.
Fa. Lui est. On a ici un Fa diminué 7, 7e. Donc on a Fa diminué 7e, on a Fa dièse, La, Do, Mi bémol. Lui est. Cet accord a la même valeur que le Do diminué. Voilà. Lui est donné pour Do. Pour centre ou pour La mineur. Bien aimé. Avec un Fa. Ensuite un Do. Ou encore. Lui est donné pour Do majeur. Centre ou Do majeur, Sol, Do majeur. Alors on va prendre maintenant le cœur. Croise le monde, oui, croise le monde, tout est possible. Croise le monde, oui, croise le monde, oui, croise le monde, oui, tout est possible, oui, croise le monde. Voilà, on va le voir au piano. Donc au piano, on aura donc Do, croise le monde. On a un Do septième. Oui. Ici, on a un Do augmenté. Do augmenté, vous avez plaqué simplement, vous avez Do, Mi, Sol dièse. Oui. On a Do augmenté. On ajoute juste le Do à la fin pour former l'accord en octave. Voilà. Oui, croise le monde. C'est un Fa. Oui, croise le monde. Voilà, le Do diminué. Fa, Do, Fa, La. Et tout est possible. Tout est possible. La mineur. Croise le Ré septième sur le monde. Sol. Oui. Là on a Sol augmenté. Sol augmenté c'est Sol, La, Mi bémol ou Ré dièse. Voilà. J'ajoute juste encore Sol à la fin pour donner l'accord en octave. Oui. Le septième. Oui, croise le monde. Fa. Tout est. Deux diminués. Tout est possible. Oui. Ici, on a un Do augmenté toujours. Mais là, c'est renversé. On a Sol dièse, Do, Mi. Fa mineur. Fa mineur c'est Fa, Sol dièse, Do. Tout est possible. Oui. Do augmenté. Croise le monde.
voilà ce qu'il en est des accords de ce chant, de façon jouée, de façon simple. Maintenant, on va tenter de faire un solfège, une interprétation littérale, c'est-à-dire note par note de ce chant, pour reproduire le chant, note par note, le solfège. Donc à la main droite, parce que vous savez que au piano, la musique se joue sur deux clés. Vous avez la clé de sol à la main droite qui interprète les voix aiguës et la clé de fa, la main gauche qui interprète les voix graves. Donc à la main droite, on aura pour solfège ceci. Donc je vais reproduire juste la première voix, je crois que c'est l'alto. Croît seulement, croît seulement. Mais je vais commencer par le couplet. Point, point, petit trop pot. Point, point, petit trop pot. De la croix au trône, de la mort là à la vie, il cherchait. Je reprends cette phrase, ce motif. Tout pouvoir. Fa dièse, si, fa, terre. Tout pouvoir au ciel. Lui est donné pour. Lui est donné pour son troupeau. On a Do, Ré, Mi bémol, Mi. Et le cœur. Donc on a cinq notes qui se jouent en même temps. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Quoi seulement. Là, c'est quatre notes. Donc on a sol, la, si, do. Trois seulement, seulement. C'est un petit motif. On a do, si, si bémol, la. Tout est possible. Trois seulement. Voici le solfège de façon simple. Maintenant, on va essayer de combiner avec les deux mains, la main gauche et la main droite, pour jouer le chant de façon harmonieuse, avec des accords et un solfège beaucoup plus peaufiné, beaucoup plus embelli et beaucoup plus étoffé, de manière à ce que la mélodie soit beaucoup plus harmonique. Alors, on a, si vous aurez ceci. Voilà, c'est pour commencer. Je commence par un La mineur, renversé, La mineur, Do, Mi, La et Do, La mineur. Et la même chose à la main gauche. Voyez-vous? Donc j'ai La mineur, Sol, voilà, Sol, Fa. La mineur, Sol, Fa mineur, Do septième. Thank you.
Maintenant, le solfège à la main droite avec les quatre voix, vous aurez ceci. C'est un do renversé. La mineur septième, voilà, la mineur c'est la, do, mi, la mineur septième. Il cherchait le ciel. Voilà, ici vous avez un ré mineur renversé, fa, la, ré, ré mineur, sol. Sol septième, sol septième sur le fa. Que j'ai indiqué en premier lieu, en première instance. Oui, do augmenté. Oui. Donc j'ai ici le do, sol dièse, do. De toute façon intégrale. Cet accord, c'était un do sixième, voyez-vous. J'ai do, ré, mi, plaqué en même temps, et le sol. C'est un do, do neuvième, pardon. Excusez-moi, c'est un do neuvième, voilà. Do neuvième. Do neuvième, do neuf. Oui, quoi, c'est le... D'accord, c'est un si bémol 4 sus. Voilà. C'est un fa 4 sus en fait. Fa 4 sus et nous tombons en do. Et voilà, c'est un chant très intéressant. Travaillez et répétez-le plusieurs fois. Et je crois que cette vidéo vous aidera. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.